Ok. Bah, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes un petit dimanche. On va faire un repiquage de feuilles de moutarde. C'est un légume asiatique. Du coup, on est en lune descendante. C'est très bien parce que ça, la feuille de moutarde, elle monte très vite en graines. Alors, le mieux, c'est le moment le plus propice, c'est en lune descendante. Du coup, la feuille de moutarde. Elle s'adapte à toutes les terres arides, même argileuses. Elle peut pousser dans n'importe quelle terre, quoi, on va dire. Voilà. Et là, bah, on va les repiquer, même si on est fin septembre. Parce que ça, c'est très résistant. Hein. Voilà. Du coup, on va les repiquer comme ça. Tous les, on va dire, 30 cm. Et puis les plantes qui commencent à monter en graines, qui commencent à monter, vous voyez cela? Eh bien, on va juste enlever la tige centrale, et puis on va le laisser, on va le repiquer comme ça. Là, c'est la petite zone de semis que j'avais fait. Et du coup, bah, très simple. Hein. Et hop, on enlève les plantes comme ça, hein, à l'arrache. Pour les repiquer après. C'est très bien. Voilà. Vous voyez comment ils sont belles? Bon, bah, on va repiquer ça. Et là, après les repiquages, on va les récolter, du moins ceux que j'avais déjà repiqués il y a quelques semaines avant. Hein. Là, ils sont très bons à récolter. Regardez-moi ça. Ils sont magnifiques. Et hop. Là, on va les récolter. On va appeler la famille pour qu'ils viennent les chercher. Parce que sinon, après, ça va monter en graines. Déjà, comme certains. Alors, il faudra pas trop tarder. Voilà. Je pense que là c'est assez. On en a énormément. Voilà. Et puis là pour les choux chinois, ils sont en train de se former. Vous voyez? Voilà. C'est pas encore ça, mais ça va pas tarder. Sinon, les choux cabu cœur, eh bien, ils grandissent bien. Hein. Regardez celui-là, le chou chinois. Il est en train de bien se former. D'ici là, quelques semaines, quelques jours, ça devrait aller.
Et voilà la petite récolte de ce dimanche. Alors du coup, moi je vous dis à très bientôt, hein, et puis à une prochaine vidéo pour une prochaine récolte.